Ok yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais aller droit au but, cette vidéo va être divisée en deux parties. Ce sera à la fois un best-of des moments les plus drôles ou des moments où j'ai fait les meilleures actions. Et dans ce best-of, à un moment j'intégrerai tous mes settings, mais qui comme vous allez le voir n'ont pas forcément beaucoup changé par rapport à la dernière vidéo qui date d'il y a quelques mois. Évidemment je le rappelle, mais ces settings c'est les miens, ça veut dire que vous pouvez les utiliser, mais il faut les adapter à votre style de jeu. C'est pas parce que j'ai mis ces sensi là que vous devez mettre exactement les mêmes, vous pouvez changer un tout petit peu, histoire que vous soyez plus précis. Deux petites choses avant de commencer. Premièrement, un grand merci à tous les soutiens dans la boutique. Mon code créateur c'est comme ma chaîne. Zfar, 6 lettres, Z-E-T-F-A-R. Voilà, sachez que pour le mois de mars, on a pratiquement atteint les 20 000 soutiens, c'est un truc de malade, je vous remercierai jamais assez. Et puis deuxième chose, pour les prochains montages, il est possible que je fasse appel à un monteur vidéo. Alors c'est pas encore décidé, c'est pas encore clair, mais en tout cas pour la prochaine vidéo, je vais faire un essai avec un monteur et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que moi c'est bien beau, hein, j'aime bien faire mes montages, mais le problème c'est que ça me prend beaucoup de temps, et en plus je sais que mes vidéos pourraient être beaucoup plus qualitatives si je faisais appel justement à un monteur pro, étant donné que moi je le suis pas. Enfin bref, et je vais arrêter de raconter ma vie, et sur ce je vous laisse avec la vidéo. Cavale vite et loin. On va aller. Ah bah non, ça a déjà été looté en plus. Oh dommage. J'arrive. Moi crack. Chiton. Mais c'est un pompe de débile. Tu sais que j'ai toujours pas eu de pompe hein. Mais mec, c'est un pompe de débile! Parce que je vous réexplique la règle. D'abord, le tendomètre, en gros, c'est, je note sur 10 à combien je suis tendu. Là, je suis tendu à un bon 6 en vrai, parce que. Bref. À partir du moment où est-ce qu'on atteint 9, on passe sur l'échelle du tiltomètre. Le tiltomètre, c'est encore pire que le tendomètre, genre c'est tilt. C'est même plus t'es tendu, t'es tilt. Et je suis chaud pour qu'on crée une troisième échelle. Mais je sais pas encore lui donner quoi comme nom. Le vénéromètre. En vrai, il est pas mal celui-là, non? Ok. On peut faire ça encore. Mec, en vrai, ça traîne, on est 22 en arène, genre. Un qui est crack, blanc. 31 bleu. T'as du shield pour moi? Oui, attends. Tiens. Bois ça. Oh, mais je suis trop bête. T'as peut-être le temps? Voilà ça. Est-ce que t'as beaucoup de maths? Non, j'ai 200. Ok, avance. Tiens, prends ça. Faut build au-dessus, hein. Down. Bien joué. Down. Bien joué. Presque plus de maths. J'ai 500. Viens. J'ai 80. J'ai 60. Tiens. Derrière. Je t'ai mis du build derrière. Aïe, j'ai pris une balle. 75 de build. Je les sens un peu. On est 2v2. Dans ma box, je viens le faire tomber. Mais c'est un Bambi, vas-y, ça me prend les joueurs comme ça. Mort. Bien joué. Crac. J'ai plus de maths, j'aurais replay sinon. C'est le dernier. J'ai plus de build. Ah mais si, mais t'as encore un ou deux builds, ça fait la diff ça. Mort. Let's go. Tu vois, et honnêtement, on n'est pas les meilleurs, mais comme on joue intelligemment et ensemble, on est en top 1. En fait, t'es pro que le week-end. Voilà, exactement. Je suis pro le mercredi. Et le samedi. Bah par contre, en vrai, je te jure, le terme semi-pro, moi je le prends vraiment pour les joueurs qui sont bons, mais qui ont pas le niveau de pro. Moi je me considère pas comme semi-pro, mais peut-être comme semi-semi-pro. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, un semi-pro, c'est un mec qui va faire des bonnes perfs, et genre vraiment des bonnes perfs. Par exemple, un top 100 en cash cup, mais il y a une différence entre faire top 100 en cash cup ou faire top 10, tu vois. Pour moi, ceux qui sont dans le top 10, c'est les joueurs pro, et ceux qui sont dans le top 100, 150, c'est les joueurs semi-pro, on peut dire, qui font des bons tops, mais qui sont pas dans l'élite. Et à côté de ça, t'as les bons joueurs, après t'as les moyens, les nuls et les bambis. Semi-pro, c'est ceux qui gagnent du cash. Mais pas beaucoup, genre. Mais voilà, et les pros, c'est ceux qui gagnent du cash régulièrement. Voilà, exactement. Attends, je vais tester ma macro. C'est une blague, le chat, j'ai pas de macro. Hein. Je suis contre le macro, moi, je suis anti-macro. Je trouve que c'est du cheat. Mais c'est du cheat. Ouais, mais quand tu vois qu'il pique le ban pas, c'est qu'il considère pas ça comme du cheat, genre. Ça, c'est nos macros, les gars. Et encore, je me souviens à l'époque, Fata, il le faisait tellement vite, ça.
En plus, on peut pique sans se prendre de tête au sniper. Est-ce que c'est pas beau ça? Si. Attends, viens, on va se faire un circuit. Attends. Bouge plus. Mais mec, moi ça m'enlève, genre. Viens, on divise le bois s'il te plaît avant. Un qui a pris moins 93. A terre, son teammate était Keblo. Je sais pas quoi il joue, mais. One shot! C'est bon, son mate il peut pas venir, j'ai mis des walls en haut. C'est des walls en bas. C'est risqué le bois, mais on peut, vas-y. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'on est sur l'extrémité droite. Le problème, c'est que ça monte en même temps que nous, donc. C'est tendax du slip. En vrai, je suis presque en zone déjà. J'ai mis une roquette dans leur box. Ok, bon, ça va, ils l'ont pas pris. Je drop tout. Ah merde. Bah, tu sais quoi, donne un petit peu et je vais faire tous les extendes. Garde un peu de quoi survivre. J'ai 20, 60 et 400, ok. C'est parfait. Mec, je suis vraiment rouillé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des moving depuis qu'il y a plus de cup. Ok, la zone repart, on l'a jamais. T'as beaucoup de maths? Donne un peu de métal si tu peux, divise. 60, divise. 200. Ok, suis-moi. Salut! T'es déjà là toi? Attends, parce qu'on est en fin de zone. Tu veux pas qu'on descende? Ah, si. Moins 116. 35 crack. Je fais la petite souris. Mais je sais pas, Edith, ça me tend. 32 blancs, mort. Bien joué. J'ai plus que 200 de maths. T'as combien? 14. On est en 1v2, 1v2. J'ai fait tomber sur toi? Non, je l'ai pas vu. Son skin, mec, je l'ai même pas vu, genre. Super héros, c'est normal. Bon, nice! Double top en affilée, GG ça! Merci beaucoup Léo pour tes 1€, c'est gentil. Léo qui est un donateur hyper régulier. J'arrive pas de grave. Je sais pas si tu connaissais déjà, genre, regarde, je fais ça. Je fais ça, j'édite ça. Attends, j'édite ça et je fais ça. Ouais, c'est pas bête. On attend 30 secondes comme ça. Moi je bouge plus. Oh là là là. Mec, ça me tente, ça a mis mon escalier à l'envers. Je suis Diablo. Mec, ça a mis l'escalier à l'envers. Y'a rien qui me tend plus que ça. Alors là, le tendomètre il a 300. Mais mec, ça va... Tiens, tu peux le stack ça ou pas? Non, je suis full. Ah si, bah je te l'ai filé l'arc, attends, je vais chercher l'arc. Ouh, crac. Je l'ai pré-shot, j'ai pas fait exprès, il sortait de sa box. 19, ouais. Oh, moins 10. 4 fois et moins 10. T'es mort. À travers l'arbre. Je l'ai... Oh, je l'ai eu. Mec. Il m'a cheaton. J'ai plus de maths. Zéro maths. J'ai zéro maths. Non, c'est me quoi, tu m'as bloqué. Oh. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Ouais, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. J'ai zéro de maths, mec, je me suis fait trop spam. T'as un coffre là. T'as quoi une grosse pote là? Viens voir. Y'a un papillon là qui est bloqué dedans. Putain, mais. Y'a encore deux grosses potes là. Et moi je me trouve toujours avec mon AK de... Hein? T'inquiète, c'était pas du tout une opération pour tuer Semko, vraiment, je t'assure. 136 têtes. Attends, mais comment ça se fait? On est 3, ils sont 3, il manque un mec. Il manque un mec quelque part. Lui qui me bloque. À terre. Oh, 1 HP, je l'ai mis un laser de faux. Oh, je l'ai mis de balle. Y'en a un, il a pris un laser de malade. C'est le dernier. Crac. Mort. Ouais, on bouge dessus aussi. Mais tu fais quoi de tes loot et tout là? C'est ça au jeu? Sur moi. Full team. Ouais, je crois que je suis mort hein, du coup. J'arrive hein, mais... Ouais, je me fais full laser. Allez, avance! Ah, il me tend le bonhomme. Ouais, je suis low.
Oh mec, le camion il avance pas. What? Il est déjà là? Ouais, je vais. Ah, mon arc. Tiens, tu peux prendre le bimon ou pas? Non, je peux pas, c'est pas possible. Prenez la tour, Matt. Viens nous aider, Zimko, s'il te plaît. Je suis en train d'arriver, c'est bon. 300 de matrix que j'ai. Pas beaucoup non plus. Il m'a fait try. J'arrive. Ah d'accord, il y a un plan. Vas-y, il m'énerve. J'ai plus de maths. Je t'aurais bien donné. Bah je me... Partez. Bien joué. Mort. Oh non, j'ai mis des balles à 15, c'est une blague. Y'en a un atterri quoi. Bien joué, plus qu'un. Bien joué. GG. Voilà. Pitié. Allez. Voilà, c'est pas moi. Ça m'énerve. Ouais, j'ai plus de maths. Tu me donnes des maths, je les finis tous, sympa. Bien fait. Si t'es dit que... Non mais... Il y a trop de monde. Vous êtes fort, sort derrière toi. Ouh. Mais c'est moi qui tire derrière. Non mais sur moi. Help. Je vais t'enlever. A terre. Mais il a combien de balles dans son truc de merde? Son pote a pris le lama. Je mets une grosse. Ouais, je vois pas. Je pensais que t'étais remonté. Mais c'est honteux, je les fume. Et avec Semko, on pensait du coup, donc après le vénéromètre, en mettre un dernier, mais un truc. Genre t'as vraiment envie de tuer quelqu'un, mais genre sans aucune blague. Mais du coup celui-là faut pas le dire qu'on l'atteint pour rien, tu vois, c'est même pas drôle, faut vraiment être... Le meurtromètre. Genre, au meurtromètre, voilà, c'est bon. Les deux tarés sont sur moi. Ça je peux pas être. A l'aide. Crac, 153 je crois. Tu crois ou t'es sûr? J'en sais rien, j'ai crack en tout cas. J'ai 200 de maths. J'ai mis une tape. Ah c'est à eux. C'est à eux. Je l'ai fait tomber, mais... j'étais 300 IQ là. Oh tiens, y'a un mec qui a fait un P. Y'a un mec dans les WC en bas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Y'a un mec qui a fait un P, mais qu'est-ce que... T'as pas entendu le prout? T'es perché. Mec, tais-toi pendant 5 minutes, je te jure tu vas entendre un prout. C'est une voiture, c'est pas un prout. Mec, s'il y a... va en bas, il y a... Ah non, je descends pas alors là. Qu'est-ce qu'il raconte? Tais-toi, écoute. Juste tais-toi, écoute. Vas-y, on se tait. Il y a eu un prout. Il est vraiment dedans. Oh, je suis mort. Déjà, j'entends rien, j'entends même pas écouter. Regarde, il est là. Tu t'es assis dessus. Non, je le sens pas. Pitié, je vais pas me faire focus. Quoi? Oh, il s'est fait marrer. Loin de là. Ouais, faudrait peut-être que j'arrête de me faire focus. Y'en a un qui a terre, l'autre team spam. Il est con quoi? Mais il est complètement débile lui. Bah voilà, du coup il va se faire tuer parce qu'il y a l'autre team qui l'a et son pote.